J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, faut qu'on intervienne. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, se ploter et voir où ça nous mène. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Na... Anna! Désolée, Anna. Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde!
Mais t'es où? Anna! Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna, Bess? Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme.
Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Ah bon? Pourquoi pas? Cette image comporte-t-elle un autre élément qui vous effraie ? Ah, c'est intéressant. Malheureusement, la session se termine, mais réfléchissez à cette question. À votre avis, que manque-t-il à cette image ? La chose à l'origine de votre peur. Il nous faut la trouver, non ? Mais la prochaine fois. Tout.